Déterminons la concentration des ions NH4+ et H-, à l'aide de la conductivité de la solution à l'équilibre, ainsi que des conductivités molaires ioniques des espèces en solution. Alors, quelles sont les espèces qui conduisent le courant? Ce ne sont que les ions. Il y a donc NH4+, H-, H3+, mais en très faible quantité car nous sommes en milieu basique, donc nous négligeons sa contribution dans la conductivité, chers amis. Alors, me direz-vous, comment exprimer la valeur de la concentration en NH4+? Et je vous comprends, je sais que vous avez besoin que je vous dise que vaut NH4+. C'est simple, il suffit de mettre NH4+ en facteur, hein, sigma est égal à lambda, conductivité molaire de l'ion NH4+, plus conductivité molaire de l'ion H-, facteur de la concentration en NH4+. En effet, la concentration en NH4+, à l'équilibre, est égale à celle de H-, donc je peux la mettre en facteur. Il ne reste plus qu'à déterminer NH4+. Concentration en NH4+, à l'équilibre, égale la conductivité, sigma, divisé par la somme des conductivités molaires ioniques. Attention, une seule erreur à ne pas faire ici, c'est vous tromper dans les unités. Donc, l'unité de sigma, ce sont des millisiemens mètre moins 1. Millisiemens mètre moins 1. L'unité de lambda, ce sont des millisiemens mètre carré. Mol moins 1. Ce qui nous donnera, mètre moins 1, pardon ici, ce qui nous donnera des mol fois des mètres puissance moins 3. Autrement dit, le résultat que nous allons obtenir, ce n'est pas en mol par litre comme nous avons l'habitude, mais en mol par mètre cube. On fait le calcul. NH4+ égale, à l'équilibre évidemment, NH4+ égale à 4,1 fois 10 moins 1 mol par mètre cube. 4,01 fois 10 moins 1 mol par mètre cube. Bon, ça veut dire que je n'ai que 0,4 mol par mètre cube de solution. Évidemment, dans un litre c'est 1000 fois moins qu'un mètre cube. Donc, NH4+ égale H-, évidemment, hein, à l'équilibre, égale 4,01 fois 10 moins 4 mol par mètre cube. Donc, mol par litre, pardon, mol litre moins 1. Voilà.